chef-lieu du département de Bata-Est et l'une des localités dont la population fait régulièrement face aux inondations pendant cette période des saisons pluvieuses. Cette situation inquiétante a conduit les hauts cadres de cette ville, au premier rang la députée Hafsita Al-Bukhari, accompagnée du préfet Mohamed Idriss Sousa, a effectué une visite aux sinistrés logés dans les institutions publiques. Objectif, constater de visu leurs conditions de vie avant de procéder à la distribution d'un don composé des vivres et non-vivres prévus pour la circonstance. Nous compatissons avec vous sur ce malheur de dérèglement climatique. La coordination serait ingrate de ne pas reconnaître l'effort louable consenti par les autorités locales pour gérer la situation et relayer l'information à temps. Profitant de l'occasion, le maire de la ville d'Oum Hadjer, Abderrahim Abdallah Labitte, n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance à la délégation ainsi qu'aux associations civiles qui œuvrent sans cesse pendant ces moments difficiles. Quant au préfet Mohamed Idriss Sousa, il lance un vibrant appel aux autres organisations d'Ambatissipa pour secourir les sinistrés. Il témoigne par la même occasion son entière disponibilité pour cette mission. La remise de ces dons est lancée immédiatement par la délégation, suivant les listes dressées par les chefs des carrés de la ville d'Oum Hadjer.